1000, présidé par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. D'ailleurs, en parlant de Paris, est-ce que le village d'Espritville est là? Et est-ce que Sourceville est là? Ils sont pas là. Ils sont pas là. Attention, moi peut-être que j'en ai un. Est-ce que Créteilville est là? Eh oui. Alors est-ce que notre ville est là? Saint-Louisville est là. Saint-Louisville. Ah, j'ai perdu. J'ai perdu. Bon alors aujourd'hui c'est la Pentecôte. La Pentecôte, c'est le 50e jour après la résurrection de Jésus. Donc d'ici quelques minutes, la messe va commencer. Mais avant ça, nous allons chanter ensemble avec Lurius, le Dieu fidèle. Ok les fratons, on va taper des mains, ça va nous réchauffer un petit peu ce matin. Tout le monde avec nous. Lorsque ton peuple t'appelle, toi tu es le Dieu fidèle. Tu étends ta main pour que notre foi s'éveille. Lorsque ton peuple t'appelle, que vienne en nous le réveil. Nos vies relevées par ta promesse éternelle. Et nous élevons nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons éclater la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu, toutes les mains avec nous. Lorsque ton peuple se lève et que ton église espère, nos louanges s'élèvent en réponse à ton appel. Lorsque ton peuple se lève, que annonce la nouvelle et dire à chaque homme la venue de ton royaume. Et nous élevons nos mains, nos voix, nous élevons nos louanges. Laissons résonner nos voix, laissons éclater la joie, laissons monter nos louanges. Voici le Dieu qui se lève, voici le Dieu éternel qui rend toute vie nouvelle. Nous élevons notre Dieu.